Pourquoi parfois on n'ose pas quitter une relation? Je vais vous donner aujourd'hui trois raisons pour lesquelles on n'ose pas partir d'une relation alors qu'on sait pertinemment que cette relation nous est nocive, qu'elle est toxique ou bien tout simplement qu'elle ne nous correspond pas. Alors, comment on peut expliquer cela? C'est vrai que parfois on n'est pas heureux dans une relation, alors pourquoi vouloir absolument rester dans cette relation? Eh bien, c'est d'ailleurs souvent le cas des relations toxiques pour lesquelles, en tant que love coach, j'accompagne énormément de personnes et je m'aperçois que ces personnes ont énormément de difficultés à quitter cette relation alors qu'elles savent pertinemment qu'elles sont dans une relation qui leur fait du mal. On va regarder ça aujourd'hui en détail et faire le point sur les trois types de dépendance qui expliquent ce phénomène. Alors, le premier cas de figure, c'est la relation est destructrice, on le sait, et pourtant, on va rester donc par habitude. C'est là la première dépendance. C'est d'ailleurs une horrible habitude, celle d'être maltraité. Et ce qu'on remarque chez ces personnes, c'est qu'elles ont perdu le sens de leurs valeurs profondes. Il y a vraiment une estime de soi qui est abîmée. Et bien souvent, à force d'être manipulé, eh bien, on s'habitue au chaos et on s'accoutume finalement à cette zone d'inconfort. Et bien sûr, la perte de confiance en soi et d'estime de soi y joue un rôle très important. Vous l'aurez compris, c'est pour ça que j'insiste autant lorsque je fais mes lives pour vous dire que la confiance en soi est extrêmement importante, que ce soit sur le plan personnel, mais également dans vos relations amoureuses. Alors, il y a un deuxième type de dépendance, et eh bien ce sont ces personnes qui ont une réelle peur de l'inconnu. C'est l'après qui leur fait peur. C'est pas la relation elle-même, mais plutôt le saut dans l'inconnu de se dire qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Finalement, la situation actuelle, elle n'est pas confortable, elle n'est pas cool pour moi, mais je la connais et ça me rassure. Ça m'apporte une certaine sécurité. Malgré l'inconfort. Alors que l'après, je ne connais pas et je ne sais pas sur quoi je vais tomber, ça pourrait être pire. Donc ces personnes ont plus peur de l'inconnu que de la relation toxique elle-même. On parle alors de peur de l'abandon, de la peur du rejet, qui bien souvent est liée à une certaine dépendance affective. Voilà. C'est le changement. Et l'incertitude vous terrifie, ça c'est le troisième type de dépendance. Vous avez peur donc du changement et ça vous crée une véritable terreur qui vous empêche d'avancer, de quitter donc cette relation actuelle, même si elle dysfonctionne, elle vous oblige à rester dans une relation dysfonctionnelle. Là c'est directement lié à la dépendance affective. C'est pour ça que c'est très important de vaincre et de se libérer de la dépendance affective. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus, sur ce sujet, et propose un programme en ligne pour s'en libérer totalement. Alors, le conseil, en tant que professionnel, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui pour essayer d'un petit peu de quitter ce blocage-là, eh bien, c'est déjà la première des choses à faire, c'est d'arrêter de supposer. Vous savez, quand on dit et si je partais, et si je quittais cette relation, je devrais quitter cette relation, vous voyez, on parle même on est vraiment dans la supposition, eh bien, je vous propose plutôt d'agir et de passer directement à l'action. Arrêtez de faire des suppositions et réfléchissez directement à la suite. Pensez également aux avantages de quitter cette relation. Ça peut vous aider. Si je vous dis que vous allez avoir moins de stress, que vous allez peut-être ne plus faire de crise d'angoisse, que vous allez vous ouvrir plus aux autres, que vous avez moins de risques de dépression, que vous risquez peut-être de rencontrer une personne meilleure et donc de vivre une relation amoureuse meilleure et surtout de retrouver une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi et donc tout simplement d'être plus libre. Waouh, c'est quand même vachement plus important. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu juste en dessous et bien évidemment à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous fais régulièrement des vidéos conseils. Et puis, allez voir juste sous cette vidéo, je propose également tous les programmes pour éviter ce genre de problème si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite, à très bientôt les amis, prenez soin de vous.